Je m'appelle Yvan Faneuf, je suis thérapeute en relation d'aide, formé à l'approche non-directive créatrice. Je suis auteur, conférencier, formateur et thérapeute relationnel en NDC pour les couples. Je vous présente ici mon dernier livre issu de 9 années de travail, qui a pour titre « Sortir gagnant de la rupture amoureuse ». Personne ne s'engage en amour avec l'intention de quitter l'autre. En même temps, une rupture, ça arrive jamais sans préavis. Il y a une route qu'on a prise qui nous y mène, et ce, parfois en dépit de notre bonne volonté. On ne voulait pas ça. Ce livre, ça décrit ce chemin-là, et ça vous éclaire sur diverses causes de la rupture, ainsi que sur les moyens de la prévenir. Devant la possibilité d'une rupture, la question se pose à chaque fois. Partir ou rester? Soit parce qu'une limite est atteinte, parce qu'on veut aller vers autre chose ou aller vers quelqu'un d'autre. Un jour ou l'autre, nous pouvons tous nous retrouver devant une possible rupture. Et la vraie question, celle qui donne du pouvoir, c'est « Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? » Puis une autre question surgit « Depuis quand ça se préparait? » Je vous invite aujourd'hui à mettre de la lumière sur cette route pour mieux bâtir celle à venir. Lire ce livre, c'est déjà emprunter une nouvelle route. Autre que la souffrance liée à la rupture amoureuse, autant pour la personne qui quitte que pour celle qui est quittée. Cette lecture vise à prévenir une autre rupture ou, si elle survient, bien d'en assumer pleinement le choix. Elle vous permettra de conscientiser les enjeux qui peuvent nuire au couple et ainsi éviter ces écueils pour mieux reconstruire. Ce livre contient plusieurs éléments essentiels à l'amélioration et à la réussite du couple. Il identifie clairement les défis du couple. Il offre des outils clairs que je nomme les antidotes. Il donne plus de pouvoir concernant la réussite de la relation amoureuse. Je suis convaincu que vous trouverez des réponses à vos questions, du réconfort à vos blessures et de l'espoir pour l'avenir.